souvent ils allaient entre nous topé na katsa mabota au mona mutazolo ba yebi banzila nga na leka yebi makambo nga na kuta na vie yeba réalité nga na vivre bien aimé d'abord alors ali bosa ko yeba ke vie oyoza nango to vie o nga na za nango to vie open de ko na za nango ekoko kanata mukete ya ko koma yote yo po ko koma yete c'est-à-dire ba réalité oyo vivre banzela o leka nango et bon ma kiza la ki unique ma kapona yo. Donc ça enseignement o nzamba pesio. Ce ko lingate ba pasteur pe minyo ko yo moni yo zongi cela ngo ba ndeko no. Même Joseph ba réalité o le kana ki nango ba pasteur ya monaki a zongi cela ki ngote ba ndeko na e. Bien aimé o permettre te ke o tika ndeko na yo a ko na libulu o yo ko ya ki. Il faut pas étant que chrétien ya malamti. Shalom, bonjour bien-aimé. Na pesi binombo te na kombo na Yesu. Zambe wana a pambo la biso lisusu na kati ya présence na ye. Parce que kolala kolamuka ce n'est pas vraiment l'habitude. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour votre présence. Et c'est ainsi que je vais aller faire une prière d'ouverture afin de débuter notre service matinal. Ainsi que nous allons incliner nos têtes et je vais prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la santé que tu nous as donnée, Yahweh. Yahweh, dormir et se réveiller, ce n'est pas l'habitude, Seigneur. Papa, tu nous as protégés, tu nous as aimés, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire parce que tu es le comparable Dieu, Seigneur. Papa, je viens encore, Yahweh, pleurer ainsi que demander ta miséricorde sur nos vies, Seigneur. Que ta miséricorde domine sur nos vies, Seigneur. Dans nos âmes et dans nos corps, Seigneur. Que ta miséricorde domine, Seigneur. Ainsi que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, puisse nous laver, puisse enlever toutes tes souillures, toutes tes empreintes diaboliques. Le sang de Jésus-Christ, le sang qui nous justifie, le sang qui nous a justifiés, le sang qui nous a lavés, le sang qui nous a purifiés, le sang qui nous a rachetés. Ce matin, le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier et nous laver, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit que tu ne laisseras pas orphelin et que tu prieras au Père afin de nous envoyer le Consolateur, Seigneur. Nous voulons que ce matin, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, domine parmi nous, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, prenne possession de nous, Seigneur. Car la parole déclare ceci. Il dit que ton règne vienne, Papa. Domine et règne sur cette salle, Seigneur. Sur tout instrument, l'appareil, sur toutes les choses ici, Seigneur. Domine et prends possession. Domine et prends possession. Papa, dirige-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, je viens aussi pour pleurer, ainsi que pour prier pour les enfants abandonnés. Les enfants ont fait les Seigneurs. Papa, élève ta main puissante sur la vie des enfants orphelins, Seigneur. Pouvoir pour eux, Seigneur. Sur les enfants abandonnés, Seigneur, sois leur père, Seigneur. Seigneur, soutiens-le, Seigneur. Parce que ta parole déclare que même si ton père et ta mère t'ont abandonné, moi, ton Dieu, je veux toujours t'accueillir. Ô Père de gloire, Seigneur, veille aussi sur les femmes vives, Seigneur. Pouvoir aussi à leurs besoins. Pouvoir aussi à leurs besoins. Papa, je veux que ton esprit, Seigneur, puisse y entrer dans des hôpitaux, là où il y a des gens qui sont hospitalisés, Seigneur. L'esprit, Yahweh, ton esprit opère la guérison. Ton esprit opère de miracles. Ton esprit opère des surprises sur la vie de ceux-là qui n'ont pas quelque chose de quoi survivre, Seigneur. Papa, pouvoir pour eux, Seigneur. Papa, soutiens le faible. Soutiens tout le bien-aimé. Soutiens tes serviteurs, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur. Fortifie tes bien-aimés. Fortifie tes serviteurs. Fortifie tes peuples, Seigneur. Règne pendant ces moments. Prends possession de toutes les choses, Seigneur. Domine dans nos cœurs. Domine dans nos vies. C'est pour cela, Seigneur. Nous t'invitons que tu sois l'invité d'honneur sur ces moments, Seigneur. Viens nous diriger. Viens nous parler. Viens nous parler. Viens nous édifier, Seigneur. Papa, nous voulons t'écouter ces moments, Seigneur. Papa, domine dans nos vies, Seigneur. Papa, aussi bénis tout le monde du ministère de la repentance, Seigneur. Bénis aussi moi que tu m'as choisi comme étant que conducteur, Seigneur. Bénis-moi aussi, Seigneur. Bénis-nous aussi, Seigneur, afin que ton règne puisse dominer, Seigneur. Si tu fais encore de grandes choses, Seigneur, nous nous approcherons encore pour
présenter nos têtes, nos témoignages, nos actions de grâce, juste pour élever ton nom, Seigneur. Parce que tu es le comparable de Dieu. Parce que tu es l'alpha, signifie que tu es le début. Parce que tu es l'Emmanuel, signifie que tu es là avec nous. Parce que tu es l'oméga, signifie que tu es la fin de toutes choses. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Et tu es l'omniscient, tu es l'omnipotent. Tu es l'omniprésent, tu es l'omnipotentiel, Seigneur. Tu es le comparable de Dieu, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. C'est ainsi qu'on a ainsi élevé nos voix, on a ainsi élevé nos mains vers toi pour te dire que, Seigneur, merci encore de commencer cette semaine avec toi, Seigneur. Parce que tu nous as permis, Seigneur, d'être là, ainsi que d'être en vie, Seigneur. Parce qu'il y a ceux-là qui sont morts, il y a ceux-là qui ont perdu leur vie, il y a ceux-là qui sont dans le morgue, Seigneur. Il y a ceux-là qui sont dans des lieux critiques. Seigneur, mais tu nous as aimés, tu nous as protégés. Si nous regardons toutes ces choses-là, Seigneur, ce ne signifie pas que nous sommes meilleurs ceux-là qui ont perdu, meilleurs ceux-là qui sont décédés, meilleurs ceux-là qui sont morts. Nous ne sommes pas plus que eux, Seigneur. Mais c'est par ton amour, mais c'est par ta grâce et Jouvan ici, mais c'est par ta miséricorde, mais c'est par ta bonté, Seigneur, que nous sommes. Nous sommes en train de respirer, Seigneur. Parce que nous sommes que le simple vapeur, Seigneur. Papa, reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Thank you, my Father. Thank you, my Lord. Thank you for the breath of life. Thank you for this opportunity. Thank you in your presence, Yahweh. Thank you, Father. Thank you, Father. I lift my voice to you. I praise you. Yahweh, sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, parce que tu es digne, le comparable Dieu. Oh, le roi, Jéhovah Nissi. C'est pour cela, Seigneur, je me tiens devant ton peuple, Seigneur. Je me tiens devant ces peuples, Seigneur. Je ne connais pas comment prophétiser. Je ne connais pas comment enseigner. Je ne connais pas comment, Seigneur, même exhorter, même comment faire ainsi l'alertie, Seigneur. Mais si ce n'est pas par ton aide, Seigneur, je n'arriverai pas, Seigneur. Parce que ta parole déclare, en l'homme, ce n'est que l'esprit, Seigneur. Alors que tu dis que le corps de l'homme est ton temple, Seigneur. Papa, viens, ton esprit vient siéger, que tu viens me diriger, que tu viens parler à moi, Seigneur. Parle pour ce peuple, dans la nourriture convenue, comme déclare ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, règne et domine, Seigneur. C'est ainsi que, Seigneur, je vais encore, Yahweh, prier et pleurer aussi que sur la vie de maman qui est ce Seigneur, pouvoir pour sa santé, Seigneur. Accorde-elle la guérison. Accorde-elle la guérison, Seigneur. Parce que tu dis que tu as envoyé ta parole et ta parole figurie, Seigneur. L'Esprit Saint, l'Esprit qui opère des grandes choses, l'Esprit qui effectue des miracles que les hommes ne peuvent pas faire, Seigneur, qui opère dans la vie du maman qui est ce Seigneur. Accorde-elle la guérison. Seigneur, que ta main puissante soit aussi sur la vie des papas du Mouen, Seigneur, pouvoir pour ces dossiers, veille sur ces dossiers, papa, traite de ces dossiers au nom de Jésus, papa. Je viens encore pleurer, Seigneur, sur la vie de maman Nicole, Seigneur, papa. Interviens sur sa caisse, interviens sur son cas, Seigneur, papa. Tu connais bien ça, tu connais bien son dossier, Seigneur. Traite-les, Seigneur, traite-les, Seigneur. Tu as dit qu'ils vont lui faire la guerre, mais ils ne vont point le vaincre, Seigneur. Laisse que oui, tu puisses effectuer du miracle sur la vie de maman Nicole, Seigneur. Interviens pour son cas, Seigneur. Manifeste-toi. Et en fin de choses là, nous allons toujours te glorifier, Seigneur. Nous allons toujours t'élever, Seigneur. Papa, je laisse tous les enfants, bébés, enfants de l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à là, à 14 ans, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur. Je suis en train de condamner tous les sacrifices, les imprévus que le diable est en train de préparer l'autel diabolique sur la vie des enfants, Seigneur. Je suis en train de les condamner, je suis en train de briser cet autel-là, au nom de Jésus-Christ. Que ton sang puisse les couvrir tous les enfants entre tes saintes mains, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas être sous le main du diable, Seigneur. Protège-les, veille sur eux, Seigneur. Que ta grâce soit sur eux, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, reçois l'honneur et la gloire parce que tu es le Dieu de Dieu, tu es le comparable à Dieu. Oh Yeshua Mashiach, thank you, Father. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là avec nous. C'est pour cela, comme un seul peuple est ensemble dans ton nom, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Pourrons-nous acclamer pour la gloire de Jésus? Ce Dieu est vraiment merveilleux parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile d'être là. Ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas vraiment facile d'être là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il est l'éternel Dieu, le comparable Dieu.
Est-ce que je sais pas si tu es là? Fais un signe de vie là. Manifeste un signe de vie. À Lingala, on dit Pepa. Fais un signe de vie là parce qu'il est merveilleux, il est comparable à Dieu. God is marvelous. Le Dieu de Dieu, le roi du roi. Seigneur, tu mérites l'honneur et la gloire parce que tu es le comparable à Dieu. Nul est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment parce qu'il y a ceux-là qui sont décédés, il y a ceux-là qui sont morts. Yahweh, ton équipe va mourir à leur côté. Sois élevé parce que tu es dit. Bien-aimé, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Sois vraiment le bienvenu. C'est-à-dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être avec vous là, dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons faire la lecture dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 8 jusqu'à 18. Faisons la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et tu ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que du fils? Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, elle, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel, d'examiner si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre. Mais on n'entend point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je ne bis ni vin ni boisson enivrante. Mais je réponds mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Le verset 18, elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangeait et son visage ne fut plus le même. La parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, il fait vraiment froid chez nous ici. Vous m'avez vu avec le gant parce qu'il fait tellement froid aujourd'hui, parce qu'on a parcouru avec de fortes pluies et qui nous a aussi mis sur cet état
de cette foi ou bien de cette température un peu élevée. Alors aujourd'hui, si il faut noter, nous allons parler sur le médicament du cœur. Le médicament du cœur. Alors que si nous comprenons normalement ainsi que dans la réalité des choses, le cœur a aussi ce médicament. Le cœur a aussi ce médicament parce que quand nous parlons du cœur, cela veut dire que nous parlons de l'aspect antérieur de l'homme. Cela veut dire que il y a d'autres choses qui passent à l'intérieur de l'homme ou bien dans l'âme de l'homme. C'est de que vraiment l'intervention de Dieu. Si il ne pouvait pas, la personne, même s'il prie, même s'il part aller chercher des grands médecins de ce monde, ou bien le médicament traditionnel, la personne là, il ne recevra pas sa guérison. Parce que souvent, les maladies intérieures sont causées dans de plusieurs choses et qui fait souffrir le cœur de l'homme. Alors que sur ce sujet, je sais qu'il y a plusieurs gens, il y a plusieurs chrétiens, même des serviteurs de Dieu, qui sont en train de souffrir dans la maladie du cœur. Et je ne parlais pas de maladie du cœur d'abord dans le domaine physique, mais dans le domaine d'abord spirituel. Alors que quand nous parlons de cœur, le cœur nous montre l'état d'une personne. Le cœur nous montre l'image d'une personne. Parce qu'en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Sans le cœur, il n'y a pas la vie. Sans le cœur, il n'y a pas le moyen qu'un homme puisse vivre. Alors qu'il y a des maladies, il y a des maladies du cœur ou des maladies de l'âme qui est causée souvent dans des blessures intérieures ou bien dans les amertumes de l'âme. Amen. C'est ainsi qu'on a fait la lecture dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 8, le verset 18. Ce chapitre nous explique vraiment la vie réelle d'Anne. Cela veut dire que la maman Anne, elle était en train de souffrir. La maman Anne, elle pleurait toute sa vie. La maman Anne, elle a connu des difficultés dans les relations, dans sa maison. La maman Anne avait la maladie sur laquelle que le médecin de ce monde ne peut pas parvenir à lui guérir. Amen. Cela veut dire quoi? Que par ces sujets, vraiment par la grâce de Dieu, nous allons un peu comprendre ce que Dieu veut nous apprendre là maintenant sur la vie de cette femme et sur la réalité de cette femme. Alors que la Bible déclare et dit que la vie de Anna était toujours elle était toujours en train de pleurer, de se lamenter depuis que Elkana avait connu sa femme, depuis que Elkana avait connu Penina, qui a été la rivale de Anna. Alors que les injures, les insultes, les critiques de Penina qui poussaient que la maman Anne puisse tomber malade. Amen. Donc la maladie du cœur ne vient pas seulement au hasard comme ça. La maladie du cœur est, comment je peux dire, la maladie du cœur est causée ou soit est provoquée par une blessure intérieure. Par de blessures intérieures. Parce que quand nous parlons de maladie du cœur, cela veut dire qu'il y a plusieurs maladies du cœur. Oui, on va les comprendre. Alors que ce fut un moment,
Anne a passé des moments difficiles. Elle était insultée. Elle était dénigrée. Elle n'était pas considérée par rapport à sa vie. Et la stérilité de Anna, c'était un sujet pour ses adversaires. La stérilité de Anna, c'était un sujet de gloire pour Penina. Alors que je ne sais pas quel genre de stérilité tu es en train de passer, tu es en train de vivre. Peut-être tu es traumatisé. Peut-être tu as des problèmes. Tu as des difficultés. Tu as des soucis sur un sujet qui complique ta vie. Peut-être tu as aussi une réalité qui est en train de compliquer vraiment ta vie et tu es en train de souffrir dans le cœur. Peut-être tu es en train de passer dans des moments difficiles que même ton mari ne parvient pas à te comprendre. Même ta femme ne parvient pas à te comprendre. Même aussi ta famille ne parvient pas à te comprendre. Cela veut dire quoi? Il y a deux maladies sur lesquelles que l'homme souffre au niveau du cœur. Il y a des maladies sur lesquelles que l'homme peut être emprisonné sur cela, même pendant plusieurs années. Que Dieu nous fasse sa grâce. Et sur cette parole, sur ce message, je crois qu'à ceux-là qui souffrent du cœur, seront guéris au nom de Jésus. Alors que peut-être tu as connu des déceptions, peut-être tu as connu du stress, peut-être tu as été déçu quelque part, peut-être on t'a escroqué, peut-être tu es en train de vivre dans des insultes, peut-être tu es un enfant orphelin, et tu ne supportes pas ce que les gens disent de toi. Peut-être tu es un enfant abandonné, alors que les gens en profitent sur ta faiblesse et te mettent le doigt sur l'œil. Peut-être tu es aussi une femme stérile, alors que la famille de ton mari profite pour dire de n'importe quoi sur ta vie. Peut-être aussi, à cause de la réalité de la vie, tu as étudié, tu as fini tes études, mais tu ne parviens pas à trouver un bon travail pour t'en sortir. Tu es toujours en train de demeurer dans la maison de la famille. Peut-être aussi, à cause de la vie que tu avais cherché de prendre ou bien d'en vouloir sur ta jeunesse, à cause des maladies sur ta santé, tu prenais des pilules, tu prenais le bière, les alcools, les produits alcooliques, tu prenais les produits toxiques. Aujourd'hui, tu es hospitalisé. Aujourd'hui, tu es en train de passer sur des maladies incurables. Cela ne s'explique pas, cela ne dit pas que cette maladie, cette blessure qui est à l'intérieur de toi, que Dieu n'a pas la solution sur cela. Non, bien-aimé, cela ne prouve pas que Dieu n'a pas la solution. Ça ne justifie même pas. Cela veut dire, nous les hommes sur terre, nous avons des malades, nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de marcher avec des malades qui sont dans nos cœurs. Souvent ces maladies, même si tu pars à l'hôpital, il n'y a pas des appareils qui peuvent les localiser, qui peut vraiment examiner cela, alors que c'est Dieu qui voit juste que ton cœur, parce qu'il dit il voit les reins. La parole dit que Dieu il voit ce qui est à l'intérieur de l'homme. Alors que sur ce point, c'est ta conscience qui connaît que oui, tel que je suis là, je suis en train de souffrir. Je suis en train de passer dans ce genre de difficultés. J'ai des problèmes, j'ai des dettes des gens que je devais payer. Et quand je regarde mes enfants, comment est-ce que je vais le faire nourrir? Et sur cette réalité et sur cette vie, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je dois payer la maison. Je dois prendre soin de ma famille. Je dois prendre soin de ma femme. Alors que je n'ai plus de travail. Alors que ce que je reçois ne me suffit pas d'effectuer toutes ces dépenses ici. Le cœur de l'homme pleure. Le cœur de l'homme souffre. Ainsi que ça a été
la même maladie que la maman Anne, elle était en train de souffrir. Alors que ce fut un jour, Anne manquait même l'appétit de manger. N'a pas pu même cette saveur-là de manger, de boire. Il s'est mis en pleurer. Anne a pleuré. Il pleura. Alors que quand il tentait de pleurer, son mari remarque que ma femme a quelque chose qui ne marche pas. Alors que si le cœur est malade, si le cœur est abattu, si le cœur est blessé, tu verras que même dans la vie de l'homme, tout ce que l'homme voit devient inutile. Tout ce que l'homme touche, il voit que ça n'a plus de valeur. Si juste que le cœur a affecté, si juste que le cœur est touché, si juste que le cœur est malade, tout ce que l'homme possède, tout ce que l'homme entrepoit, tout ce que l'homme travaille, tout ce que l'homme fait pour s'en sortir, même là où l'homme vit, même là où l'homme dort, si son cœur est juste que affecté par un problème, si juste que son cœur est malade, vous allez voir que l'apparence, même l'attitude de cet homme va changer facilement. Et cet homme-là, il sera abattu sérieusement du cœur. Et si le cœur est abattu, il n'y aura pas l'appétit de manger. Il n'y aura pas même le moyen de faire autre chose de la vie. Alors que la maman Anne, elle était vraiment stressée. Elle avait des stress. Elle était vraiment stressée. Elle a manqué même l'appétit de manger. Son mari a essayé de lui fortifier, de lui montrer à combien de fois qu'il l'aime, malgré sa stérilité. Bien-aimé, je voulais te rassurer, malgré ta stérilité, malgré le prolongement de la chômage, malgré le titre que tu es en train de marcher avec, le titre que les gens te donnent sur le sujet que tu es en train de vivre, tu es en train de subir, sache une chose, malgré tous les malades, malgré toute la réalité, malgré tout le problème, malgré toutes ces choses-là, Jésus, il ne t'a pas abandonné. Jésus, il ne t'a pas délaissé. Même si ton cœur est abattu, même si ton cœur a des angoisses, même si tu as des blessures intérieures, même si tu as les amertumes comme la maman Anne, sache une chose, Jésus n'abandonne pas ses siens. Jésus ne rejette pas ses enfants. Quelle que soit la grandeur de ta blessure, quelle que soit la grandeur de ta souffrance, même si tu es en train de pleurer dans le cœur, sache-le bien qu'il y a un homme qui peut mettre terme à tes problèmes-là. Même si les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans ton cœur, mais sache-le bien qu'il y a un Père qui est là, dans le lieu céleste. Il voit mieux que toi, il voit mieux que ses hommes. Il connaît la souffrance, il connaît la peine, il connaît aussi le problème, il connaît aussi la douleur de ton cœur. Alors qu'il dit, quelle que soit la réalité, même si ton père et ta mère t'ont abandonné, moi ton Dieu, je vais t'accueillir. Psaume 27, le verset 10, il dit cela. Alors que la maman Anne, elle a été vraiment stressée et son mari lui a fortifié. Après cela, elle a mangé. Elle a commencé à manger et puis il a pris ce qu'il pouvait boire. Malgré cela, quand la maman Anne, il a quitté le lieu qu'il était, il s'est rendu à Silo, précisément dans le temple, là où le peuple de Dieu se réunissait pour élever le nom de Dieu. Alors que dans le temple, il y avait un sacrificateur qui était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Alors que le sacrificateur aperçut la maman Anne entrer
de prier. Mais avant sa prière, la parole de Dieu déclare ceci que l'âme, l'amertume dans l'âme. La parole déclare ceci que l'âme de la maman Anne était vraiment abattue. Elle avait des soucis, elle avait des stress, elle était malade au dedans. Pas dans le dehors. Elle était malade au dedans. C'est là que Dieu m'a poussé, il m'a vraiment révélé ce message, ou bien ce sujet que nous sommes en train de parler, le médicament du cœur. C'est là que je puis comprendre que la maman Anne, elle était malade. Bien aimé, il y a des maladies, il y a des genres de maladies qu'un homme ne peut jamais aller avec ça dans l'hôpital. Bien aimé, il n'a jamais eu le médicament de le stress dans l'hôpital. Tu ne trouveras pas cela. Et si tu pars poser le médecin la question, qu'il te donne le médicament de la vie, il te dira qu'ils n'en ont pas. Alors que si la personne meurt, il meurt pour toujours, c'est fini. Mais il y a des maladies sur lesquelles que Dieu lui-même a le médicament de donner à la personne. Bien-aimé, alors que l'amertume dans l'âme, et la maman Anne, elle pria. Quand elle pria, elle versa le pleur. La maman Anne, elle pria et en même temps, il est en train de verser ses larmes. Regardez la douleur d'une femme à cause d'une situation, à cause de la réalité. Bien-aimé, il y a des cas sur lesquels, il y a des moments sur lesquels qu'un homme, il se sent vraiment qu'il est délaissé. Il se sent vraiment que oui, moi, pour moi, c'est fini. Et tu verras, la personne, il va se désespérer, même pas aux 50%, mais à 100%. La personne se désespère totalement. Il voit que non, my life is finished, I'm dying, I'm finished. Ma vie est finie, ma vie est détruite. Bien-aimé, la vie de cette femme, c'était pas facile. Cette femme, elle a vécu, elle a passé de difficultés, elle a passé dans des difficultés vraiment que même que les hommes ne peuvent pas lui consoler, à part que l'intervention de Dieu. S'il n'y a pas l'intervention de Dieu pour sa vie, elle est perdue. Alors que la maman est en train de prier avec la douleur du cœur. Bien-aimé, si l'aspect intérieur est abattu, c'est fini pour l'homme. C'est fini pour l'homme. Tout ce qu'il fera, il ne trouvera pas le bonheur de cela. Parce que le cœur est le centre de toutes les choses. Parce que le cœur est le siège de toutes les choses. Parce que le cœur est là où le sentiment de l'homme se réfugie. Dans le cœur, c'est là où il y a les passions de l'homme. Alors que si dans ces liens, il y a de fissures, il y a de blessures, il n'y aura pas que. Il n'y aura même pas le moyen que l'avion puisse atterrir. Parce que le lieu d'atterrissage n'est pas bon. Il y a des érosions, il y a des fissures, de peur que si l'avion atterrit, il peut y avoir l'accident là. Cela veut dire que, bien aimé, si l'âme d'une personne est blessée, si le cœur d'une personne est blessé, tout ce qu'il va faire, il ne trouvera pas le bonheur de cela. Il ne verra pas le bonheur ou bien le bénéfice de cela. Il aura toujours des négativités et sur ses yeux et sur ses, à propos de se parler. Alors que le moment qu'il est en train de prier, alors Anna se décida de faire même un vœu. Et le vœu que la maman Anne avait fait,
Elle n'a pas fait lever juste que pour parler, parce qu'il y a des prières souvent que l'homme fait juste qu'il parle juste pour parler. Mais il y a aussi des prières que quand un homme le fait, il le fait au cœur. Quand il parle, vous sentez que des mots qu'il fait sortir, vraiment, la personne, il est abattu. Il a des problèmes sérieux. Et vous sentez que quand il parle, même le cœur, la façon que le cœur bat, ça montre que non. Cette personne, il a vraiment des problèmes sérieux. Alors, Anne a fait de V. Et le V que Anne avait fait m'a touché. Il dit, si tu daignes, regarde l'affliction de ta servante. Et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors que, en regardant même ces paroles, en regardant même le vœu que la maman Anne avait fait, nous voyons que la femme, elle était prête à tout. Elle était prête à tout parce qu'il se sentait vraiment qu'il est exposé. Il se sentait vraiment qu'il est dévasté. Elle n'a jamais mis au monde, elle n'a jamais enfanté, mais il dit que si Dieu lui donne un enfant, si il est un enfant mâle, il va le consacrer à Dieu pour tous les jours de sa vie. Vous pouvez imaginer cela. Cela veut dire que la personne s'est déterminée en tout. Alors que la parole déclare, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, le sacrificateur observa sa bouche. Alors que la maladie du cœur, si l'homme, si la personne ne l'avoue pas, ne parle pas aux gens, ne la dénonce pas, personne ne saura que cette femme a, bien cet homme a de maladie du cœur. Alors que la maladie du cœur, ce sont des problèmes, ce sont des projets, ce sont des choses que nous cherchons à faire et nous voulons avoir, nous voulons le posséder, nous voulons effectuer cela, mais nous n'arrivons pas de le faire. Nous n'arrivons pas de le posséder. Cela signifie que, cela nous montre que sur ce point, un homme aura toujours des questions à se poser. Qu'est-ce que je devais faire pour finir les études? Qu'est-ce que je devais faire pour prendre ce travail? Qu'est-ce que je devais faire pour être dans ma maison avec ma famille? Qu'est-ce que je devais faire pour épouser cette femme? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ces problèmes? Comment est-ce que je peux commencer de traiter mes documents? Comment est-ce que je peux obtenir la possibilité qui peut me permettre de quitter mon pays et d'aller chercher la vie ailleurs? Et quand l'homme ne trouve pas la solution sur toutes ces choses-là, son cœur maintenant aura des réactions qui seront maintenant contraires de son corps. Cela veut dire, cet homme, il sera inquiet. Il aura des questions à lui. Il y aura des raisonnements à lui. Il y aura des pensées à lui. Il y aura tant d'imagination à lui. Et cela va pousser un homme de recevoir, de voir de blessures intérieures au-dedans de lui. Alors que ces blessures-là, souvent quand il entre dans la vie de l'homme, cela ne finit que dans l'intervention de Dieu. Alors que quand un homme passe avec tous ces problèmes-là, s'il ne parle pas à personne, vous n'allez jamais comprendre ce personne-là. Vous allez voir que la personne, il mangeait, il n'a plus d'appétit, la personne était gentille, la gentillesse est finie. Vous voyez que la personne, il a changé automatiquement. Et que la personne, sa façon de parler même, sa façon d'être avec les gens, tout a changé juste dans un petit temps. Cela veut dire que quand l'âme, le cœur
d'une personne est abattu, c'est un regret total. Alors que les sacrificateurs regardent. Non, non, non. Est-ce que cette femme-là n'est pas folle? Est-ce que cette femme-là, elle n'est pas ivre? Bien aimé, il y a des problèmes sur lesquels qui arrivent dans la vie de l'homme. Si les gens te regardent, ils te voient, tu as laissé beaucoup de cheveux, tu te fais plus de soins de beauté, même le soin de visage. Tu n'as plus besoin de t'habiller bien. Tu te laisses, tu te délaisses, tu te désespères, tu te considères plus. Parce que tu as des problèmes qui sont en train de tourmenter ton cœur. Alors que ces gens ne savent pas ce qui se passe au-dedans de toi. Il peut dans ces temps-là dire de n'importe quoi. Vous voyez, vous voyez, hein? Vous voyez les gens, hein? Hein? Ils l'ont cherché toujours et ils pensaient qu'aller de l'avant, cela veut dire qu'il est, arrivé déjà. Aller de l'avant signifie pas que tu es déjà arrivé. Hein? Yeah. Vous voyez, les gens vont dire n'importe quoi. Mais à la place de venir, de te demander, mon frère, ma sœur, il y a quoi qui se passe au-dedans de toi? Il y a quoi qui ne marche pas sur ta vie? Il faut souvent chercher à poser des questions. Quand tu vois une personne, sa façon de vie est changée totalement. Et il était gentil, il mangeait, il était calme. Et tout a changé dans un petit temps. Et quand tu vois la personne comme ça, et tu vois directement, c'est comme si il a perdu quelque chose en lui. Ne cherche pas d'abord à dire de n'importe quoi à propos de sa vie. Cherche un moyen de s'approcher vers lui et de lui demander, ma sœur, mon frère, il y a quoi qui ne marche pas? Cherche à lui questionner pour lui aider. Mais il y a ceux-là qui préfèrent murmurer, qui préfèrent aller dire n'importe quoi. Il y a même ceux-là qui ont réussi les noms ou bien des titres, qui ont même les gens et même ont validé que cette femme-là, cet homme-là, c'est un sidaïen. Il a la tuberculose, il a le sida. Oui, la femme-là, cet homme-là. À cause de quoi? Les amertumes que tu as, les angoisses que tu as, le problème que tu as. Oh, ya bachake, ya bosaki, ya masete. Le problème que tu as a bâti ton cœur. Le problème que tu as, les soucis, le stress, toutes ces choses-là ont combattu ta santé. Le stress fait battre. Le stress tue même la santé. Le blessure intérieure tue même le corps. Ça peut te déformer. Ça peut te transformer en un vieillard. À une vieille, toi qui étais jeune, à cause de blessures, alors que les gens peuvent dire n'importe quoi. Vous voyez, ça c'est un maladif. C'est une maladif. Alors qu'ils ne savent pas ce qui se trouve à l'intérieur de toi, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Bien-aimé, je veux juste te fortifier que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alors que le sacrificateur n'a pas resté là, toujours en train de regarder. Il a cherché de s'approcher vers la maman Anne. Alors que la Bible déclare, la maman Anne parlait dans son cœur. Il parlait dans son cœur. Il y a autre problème. Tu peux regarder la personne comme ça. Tu regardes sa physique. Tu le vois, il est assis. Mais tu vois comme si il n'est pas là. Il faut comprendre que il est en train de parler dans son cœur. Il est en train de discuter. Il est en train de faire la conversation. Et d'autres personnes disent que, tu es parti. Tu es parti où? Et reviens. Parce qu'elle a compris que
son frère, sa sœur, il est en train de rêver. Ses pensées ont voyagé. Son esprit est voyagé. Et quand il voit cela, réveille-toi, réveille-toi. Hey, hey. Non. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie d'un homme. Quand il y a trop de problèmes, quand il y a trop d'amertume, quand il y a trop de stress, ce sont des choses qui arrivent. Qui arrivent. Alors que Dieu déclare que la maman Anne, elle continua de prier et dans son cœur, elle faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Le sacrificateur pensa qu'elle était ivre. Des gens passeront, les gens croiront beaucoup de choses sur ta vie. Quand tu te trouves, quand tu t'en retrouves dans des difficultés, dans la déception, dans les stress, quand tu es désespéré, les gens diront ce qu'ils vont dire, ce qu'ils peuvent dire sur ta vie. Alors, cela ne fera pas arrêter la main de Dieu sur ta vie. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Parce qu'il déclare qu'il a formé, il a créé un projet de paix et de bonheur sur ta vie. Afin de te donner l'espérance sur ta vie, sur ton parcours. Amen. Alors que quand l'homme de Dieu s'est rendu près de la femme, elle lui posa la question, jusqu'à quand tu resteras toujours ivre? Et la femme lui dit, non Seigneur, je ne suis pas une femme, je suis, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je ne bois ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne me prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens que leur aspect physique, que leur corps, que leur santé sont déformés à cause de la douleur du cœur, à cause d'un cœur qui souffre, à cause de la blessure intérieure que l'homme il a. Bien-aimé, malgré toutes ces choses-là, je te dirai que, et tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Il y a encore un rédempteur qui va s'élever pour ta vie. Crois cela au nom de Jésus. Alors que la femme expliqua, il dit, l'excès de ma douleur. L'excès de ma douleur. Cela veut dire, il n'avait plus la douleur normale. Il n'avait plus de problème normal. Il n'avait plus de blessures normales, mais il avait de blessures annexées. Je sais que tu passes des problèmes, tu passes la réalité, tu passes dans des difficultés, tu passes dans des problèmes qui sont annexés. Mais sache-le bien, il y a un jour que ton père va te poser la question. Mon fils, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? Et la question là viendra le jour prévu, le jour que Dieu avait juste proclamé, avait planifié pour ta vie au nom de Jésus. Et ce jour, c'est là, quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, et tu es là, en train de recevoir la guérison, la vie sur ton cœur, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que par cela, nous comprenons facilement que la maman Anne avait la maladie à l'intérieur de lui. Et après avoir parlé à l'homme de Dieu, et quand l'homme de Dieu il a compris ce que la femme avait comme problème, avait comme amertume, avait comme les angoisses, l'homme de Dieu déclare des paroles. Il dit, va en paix, que le Dieu d'Israël
pouvoir pour toi. Alors que la prière de l'homme de Dieu a été, ou bien la déclaration de l'homme de Dieu a été vraiment touchante et a transformé même la vie de Maman Anne. Maman Anne, dès son retour, son visage s'est transformé. Elle rigolait. Elle était dans la joie parce qu'elle a écouté l'ainsi dit l'Éternel. Alors que sur ce point, ce qu'un homme de Dieu avait parlé au maman et à maman Anna, on a compris que c'est la parole de Dieu. Il lui a dit tant de choses. Va en paix. Cela veut dire que le maladie intérieure, le maladie du cœur, il y a des médicaments qui peuvent mettre fin sur ces maladies, tels que le premier médicament que nous allons apprendre ici, c'est d'abord l'amour. L'amour, c'est le premier médicament qui peut traiter le maladie que tu as à l'intérieur de toi. Le maladie que tu es en train de vivre au-dedans de toi. Alors que le premier médicament, il faut que tu puisses d'abord avoir l'amour de ta propre vie. Aie l'amour de soi-même d'abord. Aie l'amour de toi-même. Sois fier de toi. Aime ta vie. Aime ce que Dieu t'a donné. Ce qui est passé, déjà passé. Même si ce qui est passé, même là maintenant, il y a eu quelques minutes, c'est déjà le passé. Même si pendant un petit second, c'est le passé. Sois content de toi. Aime comment Dieu t'a créé. Parce que tu es belle. Tu es beau. Dieu n'a pas fait l'erreur sur ta vie. Dieu t'a créé vraiment bon. Tu es un ou bien une belle créature devant notre Dieu. Dieu n'a pas raté. Dieu n'a pas fait les défauts sur ta vie. Ne te désespère pas. Sois fort. Continue de marcher avec lui. Car en lui, il y a la vie. La première médicament, c'est l'amour. Alors que nous allons, vous allez lire aussi dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 35. Alors que l'amour, quand tu es entré de marcher sur cet amour, ainsi de considérer ta vie, de garder cet amour dans ton cœur, de regarder, de voir que Dieu n'a pas fait l'erreur sur toi, de s'aimer soi-même, cela va t'attirer, cela va t'amener la bénédiction. La bénédiction, cela aussi veut dire l'amour va t'attirer la bénignité. Cela veut dire être toujours trop bon. Sois toujours bon. Il ne faut pas changer ta figure. Il ne faut pas changer ta vie à cause d'une situation, à cause d'un problème. Non, n'aie pas perdu l'espoir. La deuxième des choses, c'est la joie. Bien-aimé, il faut apprendre d'avoir la joie de ce que Dieu t'a donné, de ce que tu possèdes. Sois toujours dans la joie, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas de travail. Il ne faut jamais perdre la joie. Parce que la joie, c'est aussi l'évangile. Tu ne peux pas prêcher une personne, mais juste ta façon de vivre. Comme il te voit que tu es hyper bien, très bien, tu es toujours heureux, tu l'attures de aussi vivre comme toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours vivre et marcher dans la joie. Être toujours heureux. Alors que la joie va t'attirer la douceur. Galates chapitre 1, le verset 11.
La troisième des choses, la paix. Alors que l'homme de Dieu déclare sur sa femme, déclare sur la femme, il lui dit que va en paix. C'est-à-dire, ne te laisse pas, je répète bien, ne te laisse pas séduire par n'importe qui. Ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas utiliser par n'importe qui. On ne joue pas avec le cœur. On ne joue pas avec la réputation. On ne joue pas avec l'âme. Il faut bien garder ton âme. La paix que tu as réussie, il ne faut pas jamais le perdre. Garde-la dans ton cœur. Cela va te faire croître bien. Alors que la paix va t'attirer la fidélité. Quand tu y es entré, de rester, de vivre dans la paix, ça va aussi te montrer comment vivre dans la fidélité. La paix attire la fidélité. Hébreux chapitre 6, le verset 10. La quatrième des choses, c'est la patience. Il faut toujours comprendre une chose dans ton cœur, que dans la vie, même si Penina a enfanté, même s'il a 2, 3, 6 enfants, même s'il a trouvé du travail, même s'il a acheté des maisons, même s'il a des avions, même s'il a la richesse au tel point que qui te fait mal au cœur, qui te fait souvent quand tu vois que lui il a réussi, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cela? Même si tu vois toutes ces choses-là, même si ton frère bien-aimé, il marche, il prospère dans le ministère, cela ne te poussera pas de te désespérer. Sache une chose que dans la vie, il y a toujours quelque chose, il y a toujours eu les tours. La vie, c'est le problème des tours. C'est le problème de l'opportun. C'est le problème de temps. C'est le problème du moment. Sache toujours que dans la vie, il y a des moments, il y a des temps, il y a des opportunités pour chacun de nous. La vie, c'est question de tour. Si l'autre obtient aujourd'hui, attends aussi, ton tour viendra. La vie, c'est comme on dit en anglais, one by one. Un par un. On commence par lui, après toi. La vie, c'est comme aussi quand on fait, le solde. Quand on solde des choses dans des shops, on connaît ce qu'on appelle ça, en anglais on dit souvent Black Friday. C'est un moment que on met des habits à manger dans le prix bas. Hein? Dans ce temps, tu verras quand les shops, pendant le matin, quand les gens qui travaillent dans les shops viennent pour ouvrir les portes de shop, la porte de shop, je m'excuse, tu verras que quand le monde viendra, ils vont se mettre dans les rangées. Et pour ne pas créer des désordres, il y aura question de tour. Et pendant les gens qui s'est mis dans les rangées, il y aura maintenant question d'y aller un par un. Cela veut dire aussi qu'il faut comprendre que dans la vie, c'est les questions de tour. Donc, il faut être patient. La patience aussi va te payer à la tempérance. La patience attire la maîtrise de soi-même. Cela veut dire, même si ils ont parti, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, cela ne signifie pas que là aussi tout est fini. Non. Il y a ton tour. Même si Léa s'est mariée aujourd'hui, sache-le bien que demain, c'est le jour de Rachel. Que Dieu vous bénisse. Lisons dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 5. Ça va nous aider. Il faut le lire. La cinquième des choses, c'est la bonté. Bien-aimé, il ne faut jamais oublier le bienfait de quelqu'un. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il ne faut jamais l'oublier. Au moment d'un problème, au moment d'un discute, au moment d'un à-propos, recule, regarde en arrière,
Qu'est-ce que cet homme-là fait pour toi? Qu'est-ce que cette femme-là fait pour toi? Ça va te pousser à ne pas avoir de mauvaises pensées. Ça va te pousser à ne pas tomber dans le blessé intérieur. Ça va te pousser de comprendre, de voir que ce n'est que les tempêtes. Ce n'est que les tempêtes du diable. Amen. Alors que, cher bien-aimé, quand tu as la maîtrise de maîtriser ou bien de comprendre tous ces médicaments que Dieu nous a donnés ce matin, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bénignité, la douceur, la fidélité, la tempérance, toutes ces choses-là, quand tu le comprends en toi, sache-le bien que tu ne tomberas pas dans les blessures intérieures. Ce sont des choses qui vont te permettre de bien conduire ta vie, qui vont te permettre de ne pas trébucher, de ne pas tomber. Amen. À la fin de l'histoire, la maman Anne avait toujours obtenu ce qu'elle cherchait, avait toujours réussi la solution de ce problème. Alors que nous allons finir là, et avant que nous puissions clôturer là, j'aimerais que nous lisons un passage là dans la Bible que Dieu m'a donné quand je suis entré de vous parler. Et le verset nous dit que nous allons chercher dans le livre des psaumes. Dieu m'a parlé de ce verset-là maintenant. C'est dans le livre des psaumes, chapitre 75, le verset 7. Il faut garder ce verset. C'est pour toi. Il dit ceci, lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, que vient l'élévation. Ce que tu es en train de chercher ne viendra pas sur cette terre, ne viendra pas chez les hommes, viendra que chez l'Éternel. Sois patient, ne perds pas l'espoir. Il me dit encore de te fortifier sur ces passages qui me montrent vraiment mon cœur. Yes, merci Jésus, tu es merveilleux. Il dit dans le livre des psaumes encore, chapitre 34, le verset 20, il dit ceci, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Je ne sais pas sur quel point que tu es en train de t'en trouver, de parcourir. Je ne sais pas quel genre de douleur que tu es en train de subir. C'est juste à te dire que quelle que soit la grandeur de tes problèmes, quels que soient les malheurs, quelle que soit la réalité, sache une chose que notre Dieu nous a toujours dit ceci, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu vas faire ce prière ensemble avec nous. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu que « Père, fais-moi grâce que je respecte le cure du médicament que tu m'as donné. Père, fais-moi grâce afin que je suis le traitement que je suis en train de recevoir chez le médecin. » Et que j'arrive jusqu'à la fin de ces traitements, afin que je ne sois plus malade. Alors que je vous ai parlé du médicament,
je vous ai parlé du cœur. Je vous ai parlé comment est-ce que le cœur est blessé. Comment est-ce que le cœur se trouve malade dans un problème, dans un réel, dans une réalité. Là où tu es, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, El Shaddai, El Lion, mets ta main puissante sur tout le bien-aimé qui s'est engagé sur cet service, qui s'est donné ce moment pour recevoir le médicament que tu les as donné. Laisse que ta parole puisse croître dans la vie de tes chers enfants, de tes chers enfants bien-aimés, et sur ton peuple, Seigneur, donne-les la force, pouvoir pour eux, veille aussi sur nous, Seigneur, afin que nous puissions respecter le cure, afin que nous puissions respecter le médicament que tu nous as donné, afin qu'à la fin de l'histoire, nous puissions sortir de vainqueurs, de plus que vainqueurs. Seigneur, fortifie le cœur de ceux-là qui sont abattus. Fortifie le cœur de ceux-là qui ont des blessures intérieures. Guéris-les de leur maladie, de ces maladies, parce que ce n'est pas leur maladie, parce que ce n'est pas leur vie. Je sais que ce n'est qu'une tempête. Je sais que ces maladies, c'est juste un visiteur. Il ne va pas rester là, éternel, mais il va passer. C'est ainsi que je recommande, je prie l'éternel Dieu d'accorder la guérison à chacun de nous, au cœur qui est abattu, au cœur qui est délaissé, au cœur qui est stressé, au cœur qui est désespéré, au cœur qui a des déceptions, au cœur qui a des problèmes, qui n'ont pas de problèmes, au Père de gloire, et qui ont vraiment des problèmes, au Père de gloire, Père de gloire, Père de gloire, accorde la solution et accorde la guérison. Sois notre médecin, sois notre médicament. Cela soit ainsi au nom de Yeshua Mashiach. Nous disons amen. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le frère Paul Bwakasa. Continuez à partager ce message, ces vidéos pour la gloire de Jésus. Soutenons l'œuvre de Dieu avec amour. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, de quelque chose, conseil, de partage dans l'œuvre de Dieu, appelez-moi ou bien écrivez-moi dans mon compte email paulbwakasa@. Cela est officieux. Cela est écrit dans sous la vidéo, et vous allez voir qu'il y a tous mes coordonnées, même sur la fiche qui est là devant vous. Et à ceux-là qui ont reçu la vidéo de l'MP4, à ceux-là aussi qui ont reçu la vidéo vraiment dans l'image réelle, toutes les informations sont écrites là sur les vidéos, sur la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez aussi causer avec moi, me parler, bien de faire quelque chose, contactez-moi dans mon numéro +264 81 78 59 140. Mais la chose qui est plus importante, c'est accepter Jésus-Christ dans ton cœur et il effacera toutes tes blessures là, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.
il y a trois choses qui nous justifient que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Alors que la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la même parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Alors que Jésus se fait chair dans le sein de Marie. Il n'y a pas eu un rapport sexuel entre Joseph et Marie afin que nous puissions recevoir ou nous puissions voir la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été fait chair dans le sein de Marie. Cela nous prouve que il n'est pas un homme de même nature que nous. Il n'est pas un homme ordinaire comme nous. C'est là justice.